Mais non. Bon, mais cette fois, il n'y a plus rien. J'ai pris un peu de canne à sucre pour le marchand. Donc là, c'est sûr que j'ai plus du tout de stuff. Et ils explosaient vachement vite ces creepers, j'ai l'impression. Ou alors c'est pas de repart de lag vu que je suis en local, mais. Bon, c'est les creepers chargés qui sont qui ont ce comportement peut-être. Ah, il faut une étoile en plus. Bon, je vais le déposer ici. C'est toujours la nuit. Milieu de la nuit. Je vais me fabriquer directement un lit. On va éviter de devoir refaire encore une fois le trajet. Une table de craft par là-haut. Voilà. Je vais directement faire passer la nuit. Je déplacerai le lit une fois que je serai dans une zone safe. Je vais me retourner où c'est qu'il y a ces creepers. Simplement pour voir s'il y a encore quelque chose de récupérable dans la zone. Il y a de toute façon certains objets qui sont insensibles aux explosions de creepers, typiquement les étoiles du Nether. Mais il y en a d'autres qui peuvent être là, puis il y aura peut-être aussi des choses à récupérer. Puis dans tous les cas, j'ai pas envie de laisser un spawner, un creeper chargé pas loin de ma base. Par contre, si la map pouvait charger, ce serait pas mal.
essayer d'y aller prudemment. Même comme ça, même à distance, ils sont extrêmement violents, ces creepers. Est-ce que j'arrive à... Moi j'ai cassé un spawner. Non, c'est pas en haut. Bon, apparemment il y avait encore tous mes objets qui étaient par terre avant, donc c'est possible que le créateur de la map ait fait que ces objets résistent aux explosions. Ou alors c'était juste un coup de chance et puis je viens de cette fois-ci les casser. C'est aussi possible. C'est pas le zombie qui m'a pris tout mon équipement. Au moins, ça va me permettre de l'avoir un peu safe. Ah ouais, il y a du thorn. Même en me protégeant à distance et tout. Je prends quand même super cher. Bon, c'est du torrent 5. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir un petit coffre. Je vais vider. Ou tout simplement mettre dans le coffre qu'il y a là-haut. Avant d'y retourner. Ouais, je peux casser ce coffre, l'emporter en bas. Ah bah en plus il y a des coffres dans le coffre. Non, parce que là, vu mes PV et le fait que j'ai rien du tout, je vais pas remettre du stuff pour qu'il se fasse détruire, donc je vais le placer dans un coffre à proximité. Je vais essayer de faire un rush rapide. Voilà. C'était évident que j'allais me prendre une flèche ici. Heureusement, j'avais pas de stuff sur moi. Par contre, là, je cumule les morts. Hein. Mais je m'acharne. Je pourrais me dire, bah tant pis, je reviendrai pas ici. Mais j'ai vraiment envie de récupérer ce que je peux récupérer. Là, ça fait déjà un moment, donc. Il y a sans doute tout cas despawné, mais tant que j'en serai pas sûr, je m'acharnerai à essayer de récupérer ce que je peux.
Alors là, je crois qu'il n'y pas eu de spawn. Pouvoir mettre des choses en plus à l'abri. Qui venait du plafond par hasard, ce serait possible. Quelque chose qui est miraculeux, c'est que il y a un coffre là-bas et il n'a pas explosé. Ah, par contre, ça c'est pas très malin. Je vais m'en recrafter une. Je crois que j'ai du bois. On va voir si j'ai du bois dans le coffre. Non. Autrement, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, j'ai quand même perdu pas mal de stuff. Hein. J'avais des belles. Enfin, là, ce que j'ai récupéré, c'est que les. Finalement, le stuff ordinaire. Pas du tout récupéré les pièces particulières comme les bottes que j'avais, la tunique. Bon, j'espère au moins que le contenu du coffre ici vaut la peine. Ah, c'est long comme ça. Sharpness 5. Ouais. J'aurais préféré garder mon stuff et pas avoir ce Sharpness 5. Mais c'est comme ça. C'est d'être l'excès de confiance du fait que j'avais du beau stuff. Ouais, la houe également. Bon, au moins j'ai encore le casque. Et mon épée de bedrock. Bon, bah avec ce maigre. Ah, bah ça va être la nuit. Je vais pouvoir aller mettre mon lit sur la zone là-haut. Puis avec ce maigre stuff restant, bah je vais attaquer une des zones. Après, on voit que je trouve quand même, enfin, j'ai quand même vite trouvé des belles pièces de stuff, donc j'ai confiance dans le fait qu'il y aura beaucoup d'autres coffres avec des beaux items, et puis des beaux pièges aussi du même genre. Là, c'est la nuit, je peux dormir.